Oh, it looks like we're live, ladies and gentlemen. Bonjour, dickheads. Salut, les Français. Cet épisode va être probablement un peu en français, un peu en anglais, un peu des deux. Donc, si tu parles pas anglais, bah, il y a des sous-titres qui vont apparaître dans quelques jours. Donc, reviens dans quelques jours, active les sous-titres dans les paramètres, parce qu'il y aura des moments en anglais que peut-être que tu comprends pas. English speakers, the show is probably going to be in both languages. Subtitles are available, as usual, in a couple of days. Let's do this, ladies and gentlemen. It's time for another episode of Paul Taylor's Happy Hour Live. Show is probably going to be in both languages. Happy Hour? I'm not fucking happy. I'm angry. I'm always fucking angry. It's time for another episode of... Oh, we are back. Today is Tuesday. A weird day to do the live, but it's Tuesday the 29th of June. The reason it is delayed by a day is not because of the French football match that happened yesterday. It's because it was my daughter's birthday, so I needed to be home. Today is Tuesday the 29th. Normally, it's every Monday at 8 p.m. To be honest, there's only one show left after this is next week, and then I'm taking a break for the summer. But right now, right here, is Tuesday the 29th. It is 8 p.m, ladies and gentlemen. Like every week, I have a guest in the studio to talk with you guys, have a drink and see what's going on. So, let's do it, ladies and gentlemen. It's time to bring on my guest. Je suis en train de parler en anglais, mais en vrai, ça va être en français. Hey! On s'en fout. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the wonderful Esther Abrami! There's a jingle that you can't hear. Hello. Hi. Welcome to the studio. I'm just going to put my headphones on. Okay. For 2 seconds, just to see what your voice sounds like, because we didn't have time to do. True, on a pas fait un sound, sound check. If you can bring that closer. Ouais. Voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci, merci. Welcome to the show. Alors, moi, je vais chercher des boissons, comme d'habitude. Okay. Et pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, tu te présentes. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là. Et je vais chercher à boire. Go! Parfait. Ok. Je m'appelle Esther Abrami et je suis violoniste classique. Et je suis française, mais ça fait plus de 10 ans que je vis en Angleterre. Et peut-être que je peux faire ça en anglais aussi. So, I'm a violinist, classical violinist, and I'm French, but I've been living in England for about 10 years. So, yeah, that's kind of it. Love people that don't live in the country they were born. Because that's what I am. That's what you do. So, Esther's sound is a bit low, apparently. Okay, so, oh, nice picture. Oh, look who it is. So, I don't know if you've ever watched the show before. I have, and I was expecting. You were waiting for him to come, so you know what's going on. Hold on, so what's your name in Verlan? Thérèse, oh, mais ça sonne bien. Thérèse Miabra. On dirait un vrai nom. Thérèse. Attends, bah Thérèse. Ouais. Ouais, parce que Esther et Miabra. Parce que les derniers, Laoplote, il a raté son coup. Mais en gros, si vous ne connaissez pas Laoplote sur le chat, en fait, il prend le visage du guest, il inverse les cheveux avec la barbe ou les cheveux avec le menton et il inverse le nom, il fait du verlan avec son nom. Donc c'est bien réussi, Thérèse Miraba. C'est Miabra. Comme, ouais, franchement. Ouais. C'est vrai que moi, je parle beaucoup trop fort. Donc c'est pour ça faut que. Faut que je parle plus fort. Ouais, mais c'est pas obligé, c'est juste que je vais augmenter. Normalement, ça devrait aller un peu. Voilà, tu m'as dit que t'aimais du rosé, donc je t'ai pris du rosé. Super, merci. Je sais pas s'il est bon tu ou pas. Arrives. Mais on m'a dit, ouais, Minuti, c'est pas mal, Paul. Comme rosé, je dis, ok. Je m'y connais rien en vin. Tu t'y connais un peu en vin ou pas? Un petit peu. Enfin, en tout cas, le rosé, c'est vrai que c'est mon vin préféré. Donc voilà, pour l'été, il fait chaud, ça fait du bien. Ouais, l'été, il fait chaud. En ce moment, il pleut. Il pleut, mais... Et il fait 17 degrés à Paris, en plein été. On est presque juillet, 17 degrés, il pleut. Et aujourd'hui, t'étais en tournage toute la journée aujourd'hui. Ouais. Donc t'es fatiguée là. 7h du matin, j'en peux plus. Mais bon, c'est cool, c'est une bonne. C'est une good way de finir la journée, quoi. Et tu tournais quoi? C'était quoi ton tournage? T'as le droit de le dire ou c'est du secret? Non, je pense que je peux teaser un peu. C'était un tournage donc, de moi dans Paris qui montrait un peu les endroits que j'aime dans Paris et puis pas mal de choses reliées au violon, dont un atelier de lutherie. On a vu un petit peu comment fabriquer un violon. Attends, un atelier de lutherie? Lutherie? Ouais.
Alors ça, j'ai violin jamais entendu maker. Parler. C'est plus simple en anglais. What is it? Violin maker. Oh, violin maker. Ouais, donc une personne qui crée des violons. Oui, mais en fait... qui les fabrique, le ça s'appelle un lutin. Pas un lutin. Qu'est-ce que t'as dit? Un luthier. Un luthier. Un luthier. Un luthier ou une luthière et donc un atelier de lutherie. J'ai du mal, moi aussi. Mais du coup, moi, ça m'intéresse. Enfin, l'origine de ce mot me paraît bizarre. Luthier. Mais c'est vrai que du coup... Bah, comment t'appelles quelqu'un qui fait des luttes, enfin qui se lutte? Non, un lutte, mon cerveau, il est pas là. Je suis en train de parler un luchador. Un luchador. De genre les Mexicains, tu sais, les... Ah, luthier. Oui, c'est vrai que c'est pareil, on peut dire luthier aussi. Oh, luthier. En fait. A luthier. Ouais. I've never heard Harold Duchene, merci beaucoup. A luthier. Luthier, yeah. Sounds like the TV show. Isn't there a TV show called as Luther? Luther, yeah. With what's his name? Luther. C'était lui. My fridge is too small. Anyway, I'm back. Right, Esther. Cheers. Thanks for coming to the studio. Cheers. Appreciate you being santé. Here. Cheers. Santé. À la tienne. À la vôtre. Ça fait oh, that's bien. Good. Yeah, especially I imagine after a long day. So right, here's the thing. So you do some violin stuff. I do some violin stuff. You do some violin stuff. Yeah. Tu joues du violon. Moi, en fait, Esther, elle est hyper active sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Ouais, a bit, yeah. Et ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et donc du coup, c'est moi ça me, enfin j'ai fait très peu de musique quand j'étais tout petit, genre le piano. T'as fait un piano? Ouais, mais pendant 2 ans et puis j'y arrivais plus en fait. C'était quoi qui t'a? Je sais pas. Honnêtement, je me souviens plus pourquoi j'ai arrêté. Parce que maintenant, j'aimerais bien jouer, ouais. Pouvoir jouer le piano. Mais le violon, c'est un autre monde que je connais pas du tout. Et je trouve ça vraiment très cool que tu réussisses à rajeunir, je sais pas si c'est le mot. Ouais, ouais. Parce que des fois, les gens qui jouent le violon, on voit pas leur personnalité parce qu'ils sont soit dans des orchestres, soit in the background, en arrière-plan. Et donc on voit pas un peu leur personnalité. Donc je trouve ouais, ça très bah cool. C'est vrai que j'aime bien m'amuser en soit avec le violon. Et c'est vrai que j'ai du coup les réseaux sociaux, c'était la plateforme parfaite pour moi pour faire mes voilà pour essayer des nouvelles choses. Et puis surtout sur TikTok, ça m'a un peu challengée justement à faire des choses un peu différentes, un peu nouvelles. J'adore me déguiser par exemple, donc voilà, j'ai fait des choses comme ça. Et puis en même temps, voilà, ça ramène un nouveau public. C'est mon but. Moi j'adore la musique classique et ça me rend triste qu'il y ait pas assez de gens qui l'écoutent, donc j'essaye de convertir ouais, je suis les d'accord. gens. Moi j'adore écouter de la musique classique dans Paris quand je suis dans ma voiture. Ah, c'est très spécifique. C'est juste parce que ça me calme, parce ouais. que moi sinon j'engueule okay. tout le monde, je suis en mode énervé, ta gueule connard, qu'est-ce que tu fais, okay? Tu sais, je suis vraiment et donc là ça m'aide à me dire it's fine, there's no rush, ça va aller, t'inquiète. J'avais vu attends, j'ai vu un commentaire et je me suis dit c'est parfait. Voilà, c'était le fameux Laon Plotay qui dit on veut voir ce que Esther fait. Ouais. Let's hear it. Let's do some sort of demonstration. I don't know. Okay. Do whatever you want. Freestyle. Okay, okay, okay. Freestyle. Okay. I will put my headphones on. Je vais mettre mes écouteurs comme ça. Je vois au niveau du son. Ouais. Ce que ça donne. Non, ton verre, ça va. Ça va au niveau du son ? Moi, j'entends bien. Je sais pas vous. Ça devrait être un peu plus fort, mais. Ça va ? Non, je crois que c'est. Pour moi, c'est très bien. Pour vous, est-ce que le son est bon ou pas ? Let us know if the sound is good. Et ça va prendre quelques secondes, mais je crois qu'à mon avis. Ouais. Ok. Moi, je vais vous présenter un petit peu. Que je vais jouer, c'est un morceau qui sera sur mon premier album qui va sortir chez Sony début de l'année prochaine. Et c'est un morceau qui s'appelle Jackie's Song et c'est par Julian Lloyd Webber. Et voilà, bah, je vais jouer dans ça. Let's have it. Attends, j'ai peur de taper mon verre, donc ça va. Ah oui, tu vas peut-être taper le plafond. Bah, recule un peu si tu veux. Parce qu'en vrai, mon plafond, il est pas très... On n'a pas l'air, mais le plafond, il est penché comme ça. On est dans le grenier de chez ma productrice. Ça va. Je suis pas très grande, right. Ça va.
Wow, that's amazing. I'm going to do a round of applause that you won't hear because it's on the sound. Oh, trop stylé. Trop stylé. Alors, je mettais les commentaires sur l'écran pendant que tu jouais. Ouais. Les gens adorent. Non seulement ça, le voisin d'en face. Ah. Alors, et je crois que sa fenêtre était ouverte. Ça va, et du coup, il a regardé. Il est 20h, ça va. On peut faire du bruit. Mais c'est vrai que la dernière fois, on s'est croisés dans la rue parce qu'il faisait tellement chaud et puis on gueulait assez fort. Genre, à minuit. C'est vrai que tu parles fort en fait. Ouais, un petit peu trop. Mais anyway, il a kiffé. Il y avait sa petite fille qui est arrivée à la fenêtre et puis elle a ouvert le rideau pour regarder. Et puis elle a vu que je la regardais. Elle a fait c'est magnifique. Moi, ça m'impressionne. Plusieurs questions. Ouais. Numéro 1. Fire. Qu'est-ce qui t'a. Enfin, pourquoi t'as commencé le violon? Quand est-ce que t'as commencé? À quel âge? Et pourquoi ça t'a. Pourquoi cette passion? Ouais. Avant que je te réponde, je dis c'est quoi le nom de cette chanson? Ça s'appelle Jackie's Song. Et ça va sortir sur mon album. En tout début d'année 2022. Voilà. Jackie's, as in. Donc vous avez Jackie comme Jackie, le prénom, quoi. Avec IE ou Y? IE à la fin. Jackie's, ouais. Song. Et voilà, petite avant-première, du coup. Et c'est ma grand-mère qui m'a montré un violon quand j'avais 3 ans. Elle était violoniste aussi. Ça m'a un petit peu passionnée au début, mais j'étais petite, quoi. J'ai pas pris de leçon directe. Et quand j'avais 9-10 ans, je me suis dit, bon, j'ai envie de prendre un cours. J'ai pris un cours et c'était genre coup de foudre, quoi. Tout de suite. Et t'avais quel âge quand t'as pris le cours? 9 ans. 9 ans, ok. Ouais. Et je sais pas, genre, il y a un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, ça y est, je vais faire ça. Maintenant, j'y repense et je me dis, mais c'est super bizarre en fait d'avoir cette pensée, parce que je comprenais rien à ce que ça voulait vraiment dire de devenir musicienne, quoi. Ouais. Mais c'était ça, et j'ai jamais pensé à autre chose, quoi. C'était ça y est. Après, c'est vrai, étant plus âgée, je me suis dit, en fait, je me suis jamais posé la question, quoi. Et du coup, donc t'as 9 ans, tu commences à faire des cours, ouais. Et toute ton adolescence pendant que t'es à l'école. Tu faisais combien d'heures de violon? Alors au début, quand j'ai commencé, bon, j'étais motivée à fond. Donc même quand ça sonnait pas très très bien, j'ai des vidéos d'ailleurs, hein, c'était pas voilà, c'était pas excellent, hein, mais j'en étais très fière. ma mère, elle me dit toujours, j'arrivais avec mon violon quand il y avait des invités et tout, j'arrivais, je jouais et tout, moi. C'est très bien. Et tout le monde était là. Ouais. Même si c'était vraiment nul à l'époque. mais je suis quand même allée vraiment à fond. Alors je travaille, bon, mais après, en fait, quand j'ai eu 14 ans, moi, j'étais au conservatoire, j'ai fini le conservatoire. Et puis après, avec le collège, ça faisait vraiment beaucoup, en fait, les cours de violon et le fait de travailler pendant plusieurs heures par jour. Ça faisait trop. Et du coup, en fait, on a cherché une école spécialisée musique où je pouvais continuer l'école. Et on a vu qu'il y en avait en Angleterre, en fait. OK. Et donc, je suis partie à Manchester quand j'avais 14 ans. Fucking Manchester. la ville... c'est cool. Donc, tu pars à Manchester quand t'as 14 ans. Ouais. Du sud de la France à Manchester, juste pour te donner une idée. C'était où dans le sud de la France? À Aix-en-Provence. Ah oui, oui. Effectivement, c'est pour ça que t'aimes bien le rosé. Oui, voilà. Wow. OK. Aix-en-Provence à Manchester. Mais c'était le contraste, quoi. Ah, mais... Ça a été, tu dis ouais, Caen ou Lille à Manchester, tu dis, ouais. Oh, c'est plus ou moins la même chose. Mais là, Aix, waouh! Ouais. Et donc, t'arrives à 14 ans dans une école spécialisée à la musique classique, musique ou au violon. Okay. Musique classique, ça s'appelait Cheetham School of Music. Cheetham School of Music. Okay. Ouais, et c'était, voilà, on avait les cours académiques dans le même bâtiment qu'on avait les cours de musique, en fait. Ok. Et c'est une boarding school. Ok. Voilà, comme ils en font très bien en anglais. Ouais, quoi. On aime bien les boarding schools. Et l'uniforme. Comment on appelle boarding schools en français? Des internats. Mais ça sonne pas aussi bien. C'est pas l'internat. C'est un peu. Donc t'étais chez Hogwarts, mais version musique classique. Qu'ils ont une librairie qui date du Moyen Âge, en fait, et c'est magnifique. Et vraiment, on dit souvent de cette école que ça a l'air d'Harry Potter. Mais il y a beaucoup d'écoles en Angleterre. En Angleterre, c'est comme ça. Hein. C'est juste, nos écoles sont comme ça. Les gens, ils pensent que c'est un truc, mais en fait, tout le monde porte l'uniforme. Ouais. Et on est tous comme des mini Harry Potter, sauf que on n'est pas dans un décor. J'ai pris l'uniforme, et quand on m'a dit, bon, voilà, il faut que tu prennes l'uniforme, moi, j'étais fan de Gossip Girl à l'époque. Et du coup, j'avais la cravate et tout, et je suis arrivée. Et puis, en fait, ils m'ont dit, ah, non, mais la cravate, c'est que pour les garçons. J'étais hyper déçue. Hein. J'étais arrivée en mode Gossip Girl. Toi, tu voulais la cravate, tu voulais tout le truc. Et... Mais non. That is... I'll look at that. Okay.
This is a good point. Sasuke Sarutobi says, we'll definitely have to find some Mancunian slang. That's what we're going to... We'll test Esther's English a little bit later on in the show. Donc, tu faisais plusieurs... Tu m'as, je ne sais pas si le combien de temps tu faisais... ouais, donc tu, c'était juste... J'ai une question. Au niveau des doigts, ça fait aussi mal que quand tu apprends la guitare ou pas? Non, mais parce qu'en fait, après, t'as la, t'as, 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 ouais, ça, tu le crées, après, puis après, voilà, c'est par bon. Par contre, si t'arrêtes de jouer pendant un moment et que tu reprends, ouais, là, ça fait mal. Mais quand t'es dans le truc, ça va tranquille, quoi. Ok. Ouais. Mais après, ouais, j'ai fait des heures. Et surtout quand je suis arrivée et que... Bon, déjà, je parlais pas un mot d'anglais, hein, faut le dire. Je suis arrivée avec mon niveau d'anglais. Avec ton niveau d'Aix-en-Provence. Surtout le niveau d'anglais Aix-en-Provence, il est moins que pas mal d'autres endroits. Je sais pas pourquoi, c'est juste que ma productrice, elle vient d'Aix-en-Provence. Salut Fanny. Et son niveau d'anglais, il est à chier. Et dans ma tête, c'est juste tout Aix-en-Provence est nul en anglais. Mais c'est pas vrai parce que je joue là-bas souvent mon spectacle et ça se passe très bien. Et donc, du coup, tu parlais pas anglais. Je parlais pas anglais. Je savais dire. Je savais compter jusqu'à 10, mais des fois, je me trompais. Et tu trompais jusqu'à 10. Ouais, je confondais certains chiffres. Et je savais dire quelques couleurs. My name is Esther. Ouais, c'était à peu près mon vocabulaire de l'époque. Et du coup, là, tu te lances directement dans une école, de musique. Ouais. Ah, tes parents sont partis avec toi? Non, ou je suis partie toute toi, seule. Toi, t'es partie toute seule. Je suis partie toute seule. Et, et on est arrivé en plus, donc les cours en anglais, mais les cours pour les anglais, tu vois. Donc, je suis arrivée en literature, quoi. English literature. Et ils étaient en train de lire Shakespeare et des poèmes, et moi, mais j'étais là, mais... et je capte rien. Et le prof qui me dit à la fin, tu sais, il vient me voir, et il me dit, c'est le seul truc que j'ai compris, il me dit, if you don't understand, if there's anything you don't understand, just let me know. Et je l'ai regardé, genre... Tu comprenais pas cette phrase-là? Je comprends rien. je sais pas quoi te dire. Oh, tu sais, j'ai l'impression, donc le prof, il était assis, et tu sais, quand tu comprends vraiment rien d'une langue, et que tu regardes, en fait, tu finis par juste regarder la salle, et puis la personne, parce que vraiment, tu comprends même pas un mot, et je regardais, c'est l'horloge qui... comme ça, puis je regardais, puis je regardais parler, puis c'était comme s'il pouvait parler, je sais pas, avec une langue imaginaire, je comprenais rien. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps à comprendre un peu et être confortable dans ces cours-là, dans... Ouais, alors, à comprendre un peu, déjà après un mois, ça a commencé un petit peu, après trois mois, j'arrivais bien à parler avec mes collègues, quoi. Mm-hmm. Mais il faut dire que, aussi, les Anglais, enfin, je sais pas, mais les Anglais parlent vite, des fois. Un peu beaucoup tout le temps, ouais. Et surtout à Manchester, t'as pas choisi la meilleure ville pour l'accent, en fait. L'accent, il est... Wow. Strong. Et du coup, c'est vrai que... Mais bon, à la fin de l'année, j'ai passé juste les examens. Genre, j'étais 50%, mais bon, j'étais déjà fière. Et puis bon, après, l'année d'après, par contre... Moi, j'ai eu la même expérience, mais pas du tout dans le même pays. J'étais en Angleterre et à 14 ans, je suis partie en Espagne. D'accord. Parce que mes parents se sont séparés. Et puis après, je suis partie vivre en Espagne avec mon père. J'étais dans une école espagnole et au bout de trois semaines, mon cerveau, il était en mode explosé. Ouais. J'avais tellement mal à la tête je parlais pas un mot d'espagnol, je comprenais rien. Et donc, même dans la cour de récré, ils ont un jeu là-bas où tu as une balle de tennis et puis tu jettes ça contre le mur et c'est un peu comme du tennis mais contre un mur. Et je comprenais rien aux règles. Et au bout de trois semaines, au final, j'étais dans une école britannique là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est un peu intense. Et donc, toi, en un an, c'est bon, t'as... Oui, après en fait, j'ai l'impression que mon anglais s'améliorait à chaque fois. Mais je me rappelle que le moment où j'étais vraiment... je parle plus fort. Ouais, c'est hein, bon, ouais. Le moment où j'ai vraiment... je me suis dit, ça y est, ça commence à venir. C'est le moment où, en fait, on était à une fête. Et puis, j'ai dormi chez une copine. Et j'étais à moitié endormie. Je me suis fait réveiller. Et de réflexe, j'ai parlé anglais. Et là, je me suis réveillée, donc genre, oh, ça y est. On prend les cours. C'est drôle. Mais là, tu habites toujours en Angleterre. Et oui, en plus, en fait, j'ai fait Manchester, Londres, Birmingham et back to Manchester. Ok. Voilà. Et maintenant, j'habite à Manchester. Et la raison que tu as fait Londres et Birmingham et tout ça, c'était... Alors, donc Manchester, du coup, cette première école. Londres, c'était le Royal College of Music, où je suis allée pour faire mon undergrad. Et ensuite, j'ai fait mes masters au Royal Birmingham Conservatoire. Et ensuite, je me suis installée à Manchester. Nice. Voilà. Donc là, tu es à Manchester. Ouais. Et la scène musicale classique là-bas, elle est comment? Elle est bien? Oui, après, là, je t'avoue que je me suis installée en décembre et que ça n'a pas été la meilleure année. Ah, décembre, année. Là Oui. D'accord. Voilà. Je suis beaucoup restée
dans mon appart, quoi, voilà. Ouais. Mais sinon, c'était sympa. Et ça t'a permis, mais attends, donc la dernière année, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ouais. Ça commence quand, en fait, tout ce truc-là? Mes réseaux sociaux, il y a 4 ans, à peu près. OK. Et j'étais... T'as commencé sur quoi? Sur Instagram? Ouais, sur Insta. Et je voyais, en fait... déjà, il n'y avait pas de musique classique, en fait. Mais j'ai vu quelques Américains qui le faisaient. J'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, allez, je vais essayer. J'ai eu une super réaction des gens. Et du coup, ça m'a poussée à continuer. Et puis, j'adorais justement pouvoir partager ça parce que je me sentais un peu seule, tu sais, tout le temps dans ma salle de travail, à ne pas partager vraiment avec qui que ce soit. Et puis là, d'un coup, ça m'a ouvert une porte et j'ai pu partager ça avec plein de monde. Et puis, en même temps, ça m'a permis de prendre ma liberté de rencontrer plein de gens. Ouais, c'était cool, quoi. Bah, moi, j'ai commencé à regarder... ce que tu faisais. Go follow Esther if you don't already follow. Si vous ne suivez pas déjà, c'est ton nom et ton nom de famille, Esther Abrami, sur Instagram, avec plein de vidéos et plein de... C'est pas des tutos violon, mais c'est des trucs qu'on apprend, en fait. C'est ça qui est cool, en fait, c'est que tu apprends aux gens des trucs du violon. C'est pas juste tu joues, voici mon morceau, et puis voilà, c'est genre, voici le morceau hyper difficile à jouer, voici un morceau plus facile, t'as des chats en plus qui écoutent ce que tu fais. C'est vraiment trop stylé. Donc, sur Instagram et TikTok, j'ai une question de Lauren Lanham qui dit: Does Esther know Lindsay Stirling? She was my first experience of a violinist and I just love her music. I know of her and I follow her on TikTok actually. She does great things on there, but I've never met her. Hopefully one day though. Okay, so Lindsay Stirling is another violinist. I know nothing about the world of classical music. Well, she doesn't like play much classical music. It's more like other types of music. Okay. And yeah. I presume she's huge on YouTube. For example, but she's huge everywhere, to be honest. I presume when you obviously do violin, like the main thing that you learn through school and through lessons is like classical stuff. It depends where you study. But if you're doing like conservatoire or like any music school, it's classical. And but I don't know. I mean, it's nice. I'm now starting to think, okay, I want to go away a little bit, not go away, but I want to also be able to play other kind of music. Because it's you know, always playing classical music is great, but it's nice to experiment and Lindsay does that. Yeah. Speaking of which, Foutoukrette says she plays classical pop, right? Pop with a tint of classic. Yeah, I have a friend, Chloe Flower. She calls it popsicle, like popsicle. Pop and classical. Oh, I popsicle. Like that popsicle music. Yeah, pop. It's like R&B, rhythm and blues. Yeah, popsicle. I like that. Yeah, that's cool. And so, what's the like? Is there like a small community? Of not small community. You sounded like northern on that, just that word. Fucking, is there a community of fucking violinists? Fucking, do you know what I mean? Like, in the comedy world, in stand up, like it's quite small in Paris. So do you all know each other? Yeah, we all know each other, and we all either, I guess the thing that we maybe have that you guys don't maybe is that we perform on the same night. You know, it's like, oh, here's the show, there's 5 comedians, and we all. Like, oh, yeah, you share the stage. Yeah, we share the stage, not at the same time. Yeah, yeah, but you know, it's one after the other. And there's so we have this like community that kind of builds. What's that like with you and other people that do your job? We do know each, like it's a it's a small world. I think definitely in classical music, I don't know. Like I think we could do more. Like it's been nice on social media that I actually meet people. It was great. I remember the first time I went to New York, and it was my very first time there. But yeah, I already knew people there from like connecting like other musicians, and that was really cool. But we could, I don't know, it's a nice idea, I think, to share the stage. Like some people, there's like guests that like come during the show, but it could be done more. Yeah, because you have also in there's a song that you have where you have guest musicians before, and you were filming with them today. Yeah. In Paris, exactly, I think that. I guess that's kind of where you get to share the stage. Yeah. Is when you have guest things. Carlos Camejo says, language question. What was the hardest part of the Manchester accent to get used to? Difficult question. I think sometimes the way, like, there's some words that, like, for example, I it took me a while to understand why did people say ta? Oh, ta. Ta very much. Ta very much. And so what does ta mean? Well, thank you, right? Yeah, it does mean thank you. Yeah. Ta love. Ta love. Ta love. That's the one. Ta.
I don't even know. Yeah, I don't even know where that comes from. It's just the laziness. They're like, yeah, thank you is too long. We'll just say the first two letters. Ta. Letters. And that's the thing as well. Letters. Like the non-pronunciation of the T. Yeah, that's all across England, I think. Is it? Yeah, mostly. That's true, actually. Especially like it's more like it's not lower class, but it's like a lower middle class, like low class to like middle, because we're very like obsessed with accents in the UK. Yeah, that's true. And depending on your accent, you can tell kind of what social class you come from. It's really weird, you know. Whereas in France, it's like, oh, you come. I mean, there is a geographical thing, because Liverpool sounds different to Manchester. Yeah. But everyone that's posh, everyone that's very rich and upper class in the UK has the same posh accent. That's true. Even Scottish people. Yeah. Like Scottish people, if they're very posh, they sound English because they've been formatted to do. So, yeah, like I when I speak normally, I the T's. Harry Potter, right? Yeah. Harry Potter is the classic. Where do you come from, actually? The southeast of England. Okay, okay. Ish. I mean, yeah. Southeast London, a bit of the southwest. Okay. It's all a bit weird. We've completely switched to English, but it's okay. Yeah, exactly. As Lauren Lanham says, water and Tuesday. Tuesday. Do you know what I mean? Harold Deschen says, I live in Ottawa, and when I speak English, they will think I'm a foreigner. Harold Deschen, I think, is like French-Canadian, if my memory is good. So yeah, you've got to sound foreign. But your accent is very good. You've got a... Actually, I wanted to ask you, yeah, what does my accent sound like? Like, if you hear me speak for the first time, where do you think I'm from? Do you say, like, French, that's it? No, definitely not necessarily French, but I know that you're not English. Yeah. But I don't know where you're from. That's I don't know where you're from, but I know that you have had exposure to England. When I watched all your videos, yeah, I was like, she definitely lives or has had a lot of exposure in England. In England. Because there's an English twang in there. But there's like a bit of a northern twang on certain words. Somebody asked if you say, it was Susie Withers who says, when you say bath and glass, how do you say it? How would you say those two words? I took a bath. And having a glass of wine. Yeah, that's really neutral. Yeah. In the sense that I would say a bath and a glass. And typical people from Manchester would be like a bath and glass. And yours is right in the middle. I like it. But also, I guess, if you spent time in a boarding school. Yeah. Because I went to a school that had a boarding thing in it, but I wasn't there. We weren't boarding. And I think it was like I guess the English that was spoken was a bit more posh than. Yeah. I mean, it's that's when I went to the States, and people were really confused. They were always like, "Are you like? It sounds a bit British, but not really." And I was curious, and a lot of people, for example, that follow me on social media, like, had no idea that I was French. For example, I mean, I do speak always English, but. Yeah, so I was curious. So here's another question. With your audience that you have on social media and the people that follow you, what's the demographic? Are they from France? Are they from the UK? What's the... So on Instagram, it's a lot of United States, Mexico quite a lot. Really? That's interesting. Yeah, Mexico. Hi, Mexico. Yeah. Let us know if you're not... You know, if you're not one of my people from the live, if you're one of Esther's people that came, where are you from? Mexico. That's unbelievable. Yeah, and I went quite a few times for concerts. I absolutely love the place. I really do. Do you speak Spanish? Not really. I speak a few words, but not really. Hola, me llamo Esther. This is my level of English from before. And then on TikTok, it's UK, though. UK is one of the top. UK on TikTok. Yeah. So, and Instagram is more US and Mexico. Yeah. That's interesting. Yeah, it's a weird mix. No. I was going to say, when did you start TikTok at the same time as Instagram? No, presumably not. TikTok's more recent. Yeah, it's very recent, yeah. But I don't know. I feel like TikTok is like directs people from, or like shows your content to like specific content. Yeah, I don't understand TikTok. I've got a TikTok account just because somebody was stealing my stand-up and putting it on their account and getting hundreds and thousands of views. So I was like, well, let me create an account and let me get the hundreds. Exactly. So I did that, and like some of it was going all right, and I like took a clip from one of my lives with a friend. Yeah. And it was a nothing clip. And it got like 2 million views. I'm like, I don't understand. It just blows up. Like sometimes you've got videos and it just blows up. You have no idea why. Mm. And I had a few like that, and it was just like,
nice surprise, but yeah, it's weird. And it goes like that, like you don't expect. Yeah, it. You've got a bit of Irish in your English accent as well. Oh. But there's a lot of Irish people in Manchester. Do you have Irish friends? Yeah. Ish. There's an Irish twang in there as well. It's great though. So doing TikTok. When you're doing videos for TikTok, when you're doing stuff for Instagram, like what are you doing? Like what's the goal? Like what are you showing? Is it just, do you have an idea one day and you go, oh, this would be fun to do? Or do you have like a more strategic kind of like, oh, I need to do these because this will get more views? Or what's the... It's not really strategic. I mean, it's very different but now like TikTok videos, I feel like are starting to like really work on Instagram as well. But I always felt like I had more freedom on TikTok just because I felt like less people that I know follow me on TikTok. So I can be like, I can do what I want. Everyone's on Instagram. Yeah, exactly. But TikTok. On TikTok, so there's one video when I did the evolution of classical music. Okay. And I really kind of, I went a bit far and like, I really dressed up, and like one of them, which is the classical period, I wanted like to dress up as Mozart, but I didn't have a wig, so I literally took like toilet paper roll, like, and I like stuck. You stuck toilet paper roll to your head? Not to my head, but to a headband. I wore the headband. Okay. And it looked great. I mean, I put a hat on it. It was great. And so you were doing the. And I did this video, and I thought, I put it on TikTok. It worked really well on TikTok. And then one day, I found it on Instagram. Somebody had posted somebody else had ripped it off. Yeah, and I mean, they did tag me, but I was just like, wow, okay, yeah. So I guess. Yeah, people kind of do that. It's kind of annoying. Gus Bold, salut Paul. I know that I'm a bit too enthusiastic, but it's the first time I can watch your live en direct. Bah, j'espère que mon anglais est pas trop à chier. Non, il est très tout. Bon. Gus Bold. Après, si tu parles, ça se trouve que ton accent il est à chier. Mais là, je peux pas le juger parce que j'ai que la partie écrite. Little question for Esther: how is the wine? It's very good. It's very good. I'm enjoying it. It's good. It's fresh. I was just like, I've heard of Minuti before. I was like, that sounds like good. I know nothing about wine. I can't believe she's French with that accent. Who said that? Yoann. Okay, I can't believe she's French with that accent. I know, but she's cheating. She lived in England. Elle a vécu un peu en Angleterre, donc elle triche. Mais bon, après, les gens, ils disent, oui, mais moi, je connais un mec qui a vécu en Angleterre, ça fait 40 ans qu'il est là. Ah, mais il y en a, c'est vrai, they still speak like this, so... Bah, moi, c'était la blague, je suis pas du tout... le foot, ouais. À part quand t'as débarqué tout à l'heure, parce qu'il y avait le match Angleterre-Allemagne, and fucking Angleterre, on a gagné, parce qu'il fallait qu'on tourne un tout petit truc devant le studio, vous allez voir le résultat de ce que Esther, en vrai, elle fait à Paris. Elle n'est pas juste venue à Paris exprès pour le live, mais il y a un tournage qui se passe, et ça va se passer sur ta chaîne YouTube. Ouais. Tu sais quand ou pas encore? Pas encore, mais vous pouvez vous abonner dès maintenant. Abonnez-vous, exact. tu connais les réseaux sociaux, tu sais quoi faire. Abonnez-vous déjà à la page... de Esther sur fucking YouTube. Abrami. Je monte la page. Ouais. Lola. Et du coup, il y a un truc qui va apparaître dans pas longtemps. Et c'est ça qu'on tournait avant. Mais tout ça pour dire que je suis pas trop le foot. Mais quand t'es en Angleterre, tu peux pas ne pas suivre le foot. C'est partout, tout le temps, etc. Partout, à la télé. Et je me souviens toujours de l'entraîneur d'une équipe qui s'appelle Arsenal. Ouais. Arsenal. Ouais. And his name is Arsène Wenger. Mm-hmm. Et il est français. Et je crois que toute sa carrière, il était là-bas. Et son accent, il est the players very good. They play very good. The ball, we keep the possession very good, very good. I'm like, dude, it's been 25 years. What the fuck? I know. I feel like some people keep it for like, you know, maybe it sounds a bit exotic. I think maybe, because a lot of people say, comment elle s'appelle en France, qui est anglaise, chanteuse, actrice, elle était avec Serge Gainsbourg. Il y a quelqu'un qui va te sauver. Jane Birkin. Jane Birkin, elle n'est pas du tout connue en Angleterre. Moi, je ne savais pas qui c'était avant d'arriver en France. Tu vois qui c'est ou pas? J'ai deux noms, oui. Ouais. Du coup, elle parle l'anglais avec l'accent français. Enfin, elle parle le français avec l'accent anglais. C'est trash charmant. Et tout le monde pense qu'elle se fout de la gueule de tout le monde, qu'elle a gardé son accent exprès. Mais en vrai, je crois que c'est juste toi comme moi, on a été exposés
aux accents quand on était plus petit. Et donc, du coup, notre cerveau, il est plus habitué, je crois. Peut-être. Et je pense que aussi le fait que quand je suis partie en Angleterre, en fait, je suis vraiment allée dans une école où il n'y avait pas de français, en fait. Donc, vraiment, j'ai de suite parlé anglais, j'ai fait mes études en anglais et tout ça. Et c'est vrai que j'ai des potes qui sont arrivés et puis ils sont restés un peu dans leur groupe de français. Et du coup, ce qui fait qu'ils ont toujours un accent assez, assez solide. Hein. Gospel, je suis français et je la connais même pas. Mais tu me connais maintenant. C'est parce que. Non, il parle de Jane Birkin, je crois. Ou peut-être de toi. Mais bon, comme il a posé la question avant pour toi, donc je crois que voilà. Est-ce qu'on ferait pas un petit challenge eux, ils te proposent un truc à jouer. Ok, on peut essayer. Et toi, tu le joues. En mode blind, c'est pas du tout blind test, mais en mode genre. Bon, allez, dans le classique en plus, mais. Hein? Dans le registre classique, ce sera plus. Oui, choisissez. On va. Si vous dites un compositeur ou voilà, je peux. Ouais, voilà, en faisant ça, c'est à vous de choisir une chanson pour Esther. Et moi, je choisirais, mais je suis très très nul en musique générale. Moi, si c'est pas Britpop, if it's not Oasis or Blur, je connais pas. Et donc, du coup, allez-y, let's go, let's see what's going on. All right. If you see one that you like. Ok, attends, je prends mon violon déjà. Alors, j'ai vu For Elise. Beethoven. Yes, Elise Marie Oliveira. Have it. Nice. I know how to do that on the piano. that's the only, c'est la seule truc que je connais. Il y a deux personnes qui ont dit Pirates des Caraïbes. Alors, c'est un truc au violon, ça? Mais non. Greg Crozier is in the house. Hello, Greg. Attends, ça fait comment déjà? Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est Game of Thrones. Ah, merde. Non, t'as le droit de dire merde. Hein, c'est bon, on dit ce qu'on veut. merde, j'ai dit merde. Enculé, j'ai dit putain, merde. C'est quoi Pirates of the Caribbean. Attends. Tu veux pas chanter? Attends, j'essaye. Attends, mais je l'ai pas vu le film. Mais je reconnaîtrais. Attends. T'es sûr que c'est Game of Thrones? Attends. Ah oui, c'est vrai. Bah, alors, Game of Thrones, c'est nanana, c'est ça là. Attends, je sais plus. Mais ça, c'est Game of Thrones. Hein. Mais ça, tu l'as déjà joué avant ou non. Là, dans ta tête, t'as fait j'ai regardé Game of Thrones, voici comment ça va et tu viens de le faire. Oui, bah oui, mais ça, je peux pas faire tout, mais c'est vrai que quand c'est des mélodies comme ça, quand même, qu'on entend pas mal. Moi, je suis. Ok, je sors. Mais c'est pas Pirates of the Caribbean, mais je me souviens plus, c'est pas grave, on fera autre chose. Il y a beaucoup de gens qui veulent Pirates des Caraïbes, c'est fou, hein. Mais on faudrait que... Hold on. Okay, let's get fucking Pirates of the Caribbean on. I'll find it, je vais le trouver. Est-ce que je peux jouer l'hymne national de l'hymne national, laquelle Je connais que le français. Hein. Ok, bah vas-y. Attends. Et moi, je connais pas les paroles, donc je pourrais pas chanter. Avant. À l'instant. Ah, nanana. Je ne sais plus. Tadam. Et ça descend. Ah, mais je peux aller plus bas. Tu peux pas aller plus bas. Ouais. Mais là, tu entends. Moi, je comprends pas. C'est en train de jouer ça en mode. Tu l'as jamais joué avant et là, tu. Bah, après, oui, c'est la mélodie, j'essaie de. Hold on. Pirates. Pirates of the Caribbean, I'm gonna find it. Attends, pirate. Je le connais en plus, mais. Mais ouais, mais c'est hyper. Attends, song. Ah, oui. Alors, ce qu'il faut dire, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un ninja dans la salle qui est juste derrière. On le voit pas à l'écran parce qu'à chaque fois que j'ai un musicien sur le live, il y a un ninja derrière parce qu'ils sont toujours bien accompagnés, les musiciens. Et il s'appelle Brian. Donc, faites toutes les blagues que vous voulez sur Brian qui est dans la cuisine, qui jouait la chanson. Donc, tu l'as la chanson? Non. Attends, Pirates of the Caribbean song. Ouais. Non, pourquoi je rechante à chaque fois Game of Thrones? C'est vraiment coincé dans ma tête. Mais je crois que c'est presque pareil, en fait. Attends. J'ai le rythme, là, mais j'ai pas les notes.
Non, ça c'est. Ça c'est. Ça bouge. Ouais, mais c'est. Il y a ouais, un, mais c'est pas... un truc qui bouge normalement. Oh god, this is getting annoying now. Hold on. On va trouver ça. Ça commence sur calme. Musique complète, thème. C'est quoi les notes? Bon, ça c'est une pub, on s'en fout. Allez, get out the way. Shut up. Come on, move. Après, ça fait quoi? Yeah, that's good. Mais fucking hell. Non, mais moi, je trouve ça impressionnant que tu t'es en train de créer le truc là. Oui. Alors, moi, j'ai une question musicale. Enfin, c'est musical au point de mon niveau de musique. C'est que sur la guitare que j'ai derrière, il y a des frets. Ouais. Comment tu... C'est au pif? Enfin, quand je dis frets, c'est que guitare, c'est très clair quand tu... Quand tu... En fait, je crois que c'est beaucoup plus facile à apprendre la guitare que le violon. Parce que là, t'as pas de... Non, mais tu après, sais pas on, où... On s'habitue, en fait. On s'habitue. Mais à force, feeling. Donc, première. Bah, c'est pareil, clairement. T'as les positions en guitare? Première, deuxième, troisième? Non. Ouais. En fait, parce qu'ils sont délimités avec un bout de métal. Ouais. Donc, quand tu appuies sur la corde. Ça s'appelle la corde. On the string. Du coup, ça fait un son, mais peu importe où tu es dans le truc, ça fait le même bruit. Ouais. Parce que comme c'est un bout de métal qui touche et ça fait une extension, a tension on the string, je sais pas comment, c'est une tension sur la corde, bah, du coup, ça fait le même bruit. Mais là, si tu bouges ton doigt Ouais. Mais oui. Mais à quel point il faut être hyper précis pour avoir la note? Oui, précis. Bah, de combien de genre quelques millimètres? Bah, disons que tu peux toujours avoir la note, mais après la note elle va peut-être sonner fausse. Et ça c'est ce qui est le plus difficile je trouve au violon, c'est justement d'avoir... On travaille sur ça toute notre vie de violoniste. All right, let's do some proper songs instead of fucking Pirates of the Caribbean. Lequel? Attends. Peut-être... attends, je te laisse... Je défile lentement comme ça, tu peux voir les commentaires. Ok, attends, Pachel Bell Canon, je crois. Tu veux pas te marier, je peux jouer ça si tu veux. Je me suis mariée il y a 3 ans. Ça, c'est un son de mariage. C'est un truc à tous les mariages. Genre quand la femme, elle arrive. Oui. Mais généralement, c'est joué au violoncelle. D'accord. Voilà. C'est très beau. Voilà. La lettre Elise, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Catch up. Et l'hymne de France aussi, j'ai fait. L'hymne de France, on l'a fait. C'est peut-être parce que c'est un peu en retard. Ouais. Continuez avec Flight of the Bumblebee. Ça, j'ai l'impression que je l'ai... Oh là là, mais je l'ai pas joué. Attends, ça va très vite en plus. C'est un morceau... mais je... Attends. Un truc comme ça. Ah, oui. Mais je... Eh oui, faudrait que je... Faudrait que tu pratiques celui-là. Ouais, celle-là, tu peux pas... Benny Hill. Ah non, mais... C'est le truc de... c'est quoi le truc de Benny Hill, déjà? Mais si tu me le chantes, peut-être que c'est... Il y a une partie qui fait... Mais il y a un truc qui est au début... Mais c'est... Je suis même pas sûr que ce soit ça, en fait. Oh, this is a good song, but I don't know if you know it. Bittersweet Symphony. By Verve. Oh, it's one of the best songs ever in the world. Okay. Alors, quand je disais, moi, je connais que du Britpop, et ben, je connais que du Britpop. C'est un groupe... mais bon, la chanson est sortie peut-être... Verve, Bittersweet Symphony. I don't remember when it came out. Mais genre dans les années 90. Ok. Mais c'est sûr que tu la connaisses. Je la mets un peu loin, comme ça, le micro... comme ça, YouTube fait pas genre... Ah, t'as joué une chanson, connard. Bloqué. Oh, les pubs. Mais on va tenter... Bittersweet Symphony. Moi, j'arrive pas à chanter. Attends. Tu l'as? En gros,
gros, c'est ça tout le long. Tu la connais pas? Oui, je le connais maintenant. Ah oui, c'est en fait, c'est pas très difficile. Ouais, c'est ça tout le long. C'est juste qu'ils ont pris... Putain, c'est ouf. C'est quoi ta chanson préférée à jouer? Ma chanson préférée à jouer... Que ça genre soit... Genre chanson pop ou chanson... Enfin, chanson pas classique ou chanson classique? Faisons les deux. Ta chanson okay. pas classique préférée à jouer? Pas classique. J'aime bien Back in Black de AC/DC. Oh, Back in Black, AC/DC. AC/DC, what's up? Non, mais c'est je m'y attendais pas du tout. All right, let's hear it. Je sais. Ok. Alors. Et pourquoi c'est ta chanson préférée à jouer? J'adore. Et puis je trouve qu'au violon, enfin en fait, je trouve qu'au violon, genre, je m'amuse trop quand je la joue. Bah c'est ouf parce que on s'y attend pas du tout à une chanson comme ça au violon. Ouais, bah ouais, mais je trouve que ça. Ouais, je Love it. Et donc ta chanson préférée. Chanson préférée classique. Classique. Oh là là, il y en a plein. Ouais, j'imagine. C'est tout ce que t'apprends quand t'es. Il y en a plein, mais Concerto de Mendelssohn. C'est des concertos qui m'a fait vraiment tomber amoureuse du violon en fait. Okay. Amoureuse, c'est vraiment du sud là, amoureuse. attends, je joue un petit bout. Magnifique. Si tu l'as pas entendu, je te le recommande. Non, je l'ai pas entendu. Mais il y avait quelques notes là-dedans, une suite de notes qui m'a fait penser au film Titanic. Ah oui. Quand ils sont en train de... quand Titanic est en train de couler, ils ont dit, allez, c'est bon, on va encore jouer des chansons. Oui, on mais va... c'est ça, mais j'ai toujours mais pourquoi le dit ça? C'est vrai que il reste, et pendant qu'il coule... Ouais, et c'est une chanson, je pourrais pas dire quelle chanson c'est. Je crois que c'était je me rappelle plus qu'est-ce qu'il jouait, mais je crois que c'était un truc un peu style... valse un petit peu. Ouais. Pas... En tout cas, c'était c'est là où tu fais tout le monde est en train de chialer pendant qu'il voilà. Toi, t'es en train. Oh Dieu, ils font tous mourir. Mais c'est très beau. Should we do one more? Let's do one more. Ouais, mais let's do one more. Tu sais celui que alors il y en a que je joue tout le temps sur TikTok. Les gens me demandent tout le temps. Alors la voisine, regarde, viens par là. Regarde la fenêtre. Ah, elle est partie. La voisine, la petite, elle avait. Ouais, regarde. Non, rien, viens là. Mais elle est partie. Mais bon, attends. Elle a mis. Ouais, c'est la fenêtre là avec les rideaux. Elle a mis un nounours avec des lunettes de soleil. Ah. C'est trop mignon. Je sais pas si elle est en train de regarder ça. Salut la voisine si t'es en train de regarder ça en même temps. Donc tu disais. Je sais plus. Je t'ai interrompu. C'est pas grave. On a dit une. Ah oui, sur TikTok. Sur TikTok, tout le monde te demande. Alors, sur TikTok, alors je sais pas si tu as vu, si tu suis un peu les modes TikTok. Alors, il y avait des trucs. Alors, il y avait, par exemple, il y avait un moment une vidéo qui était très à la mode. Enfin, un son qui était très à la mode. Et les gens l'utilisaient pour le Rich Boy Check. Tu en as entendu parler Rich Boy Check. Je sais pas, c'était genre une vidéo un peu à la mode où les gens montraient un petit peu genre ça. Mais après, ça a pris, ça a fait des parodies et tout. Et ils ont utilisé le menuet de Boccherini. Tu connais vraiment. Ça, c'était un truc qu'on me demandait beaucoup. Et il y en a une de mes vidéos qui, justement, c'est une qui a fait genre des millions de vues. Et c'était du coup, j'avais repris parce que c'est pareil, c'était tout le temps sur TikTok, Come Get Hair. Tu vois Come Get Hair. Et j'avais fait. Attends. Moi, je suis. Alors, en TikTok, tu es en train de parler à un grand-père là. Moi, je suis dessus, mais je ne regarde pas ce qui se passe parce que je comprends rien. D'accord. Et donc, ce que tu me dis, c'est du chinois. Mais vas-y, c'est quoi le. Attends, du coup. Mais c'est. En fait, et. Attends.
Non. Je pense que ça vous dit quelque chose. Mais s'il y a des gens qui sont sur TikTok qui regardent, ils sauront exactement. Ils sont... Parce que tu sais, c'est marrant, j'ai posté cette vidéo sur Insta et les gens, ils étaient là genre, mais ils n'ont pas compris la blague, quoi. On est vieux ou qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, en fait, c'est tellement... ça change tellement vite, ces trucs-là. Question de Johan Tullier. Tullier. What do you think of the female violin group Bond? Mais je ne connais pas. Eh ben, moi non plus. je vais aller écouter et je vais voir. Bah comme ça, Johan, on écoutera et puis et on... elle te dira. Ouais. Je sais pas où et quand, mais voilà. Mais je vais aller écouter. Ouais. Ah, tu vois, il se commence. Somebody come... ouais, c'est ça. Et c'était une chanson qui était... Bon, ouais. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Somebody come get her, she's dancing like a stripper. Et ça, c'est une référence à un truc TikTok. Ah ouais. Bah, avec cette chanson-là. Ouais, et en fait, je l'avais reprise comme ça. C'était une vidéo qui faisait... Enfin, un son qui faisait vraiment... qui tournait vraiment. Et j'avais fait une vidéo, justement, en disant... voilà, on est en 2000... je sais pas ce que j'avais dit, genre en 2040 ou 2050. Et il y a des auditions de violon. Et je montrais, genre, le jury. Et puis, la personne qui est arrivée. Et puis après, voilà. Et, mais parce que j'ai regardé cette vidéo et j'ai pas compris. Oui, t'as pas compris. Et je me suis dit, mais c'est très cool, mais j'avais pas compris la vidéo. Voilà. Et c'était voilà, mais t'es le vieux. Alors comment ça fonctionne l'ordinateur? Je suis pas sûr. Voilà. Oh God. Right. Okay. Carlos Camejo. What is your favorite violin concerto? Concerto. I don't even concerto. Know how to. Concerto. Concerto. Par contre en français. Concerto. Alors ton concerto favori. Alors ça a l'air vraiment ringard quand tu dis ça en français. Alors ton concerto. Concerto. Oui. C'est un concert en fait. Oui. Bah oui. Pourquoi on dit pas violin concert? Mais des fois, ça se dit en soi, hein. Mais les concerts... Parce que dans le classique, c'est vrai qu'on utilise des mots... beaucoup d'italiens. Italiens ouais. Qu'on ne traduit pas, même si le mot, ouais, il existe dans la langue. Anyway, alors, pour non-music people like me, je ne savais pas ce que ça voulait dire. A concerto, c'est ça. Concerto is where someone plays solo with orchestra. Mm. OK, good. Et du coup, bah, le concerto de Mendelssohn. J'ai joué un extrait et je te le conseille. C'est vraiment... si tu n'en as pas entendu déjà des concertos, okay. Voilà, c'est magnifique. Moi, ce que je trouve dur avec la musique classique, ouais, c'est pas dur, mais dans le sens où, tu sais, quand j'étais jeune, ma mère, elle écoutait un peu ça, et du coup, j'écoutais, mais du coup, c'est difficile à trouver le même, parce que comme c'est... Ouais. Parce que comme c'est des compositeurs il y a longtemps, ça a été repris par, oui, des milliers d'orchestres, oui, différents. Ouais. Et pour trouver celui, je sais pas si... C'est pas comme tu dis, oh, that song, oh, it's Thinking Out Loud by Ed Sheeran. Ah, c'est Ed Sheeran. Ouais. Et après toutes les reprises, ouais, tu sais que l'original, ouais, parce que c'est très, ouais, récent. Bah, malheureusement, on n'a pas, par exemple, des vidéos de Mozart qui joue son concerto. C'est ça. mais oui, après, du coup, tout le monde a son interprétation, mais en soi, le morceau est le même. Mais c'est vrai que c'est pas facile, en fait, pour retrouver. Effectivement, quand des fois tu entends même un morceau classique, les gens, des fois, ils galèrent pour retrouver du coup le nom du morceau. Et ouais, tout. On fait pas dans la simplicité, hein. Des fois, je veux dire, la symphonie numéro 9, troisième mouvement du c'est vrai que ça, voilà. Ça, bah, moi, à chaque fois que je cherche une chanson, tu sais, quand il y a une chanson, dit, ah, c'est cette chanson classique, et j'essaye de taper genre dans Apple Music ou Spotify. Ah non, en plus, il y a 50 000 trucs. 13 000 versions du truc, ouais, donc c'est assez compliqué. Donc celle-là, le concerto de Mendelssohn. Mendelssohn. M-E-N-D. Attends, là, je m'aventure parce que je sais qu'il y a un H quelque part, mais je sais plus où. E-L-2-S-O-H-N, je crois. Hein. Mais ils vont peut-être me corriger. Ouais, voilà. Peut-être. concerto of Mendelssohn, do you know what I mean? Fucking hell, mate. Phil C, ça a l'air tellement simple, le violon, quand on écoute Esther. Et après, je me mets au piano et je galère. Et ne parle pas de la guitare. Pareil, je comprends. Alors, ouais, c'est ce que je t'allais demander. Parce qu'avant, tu racontais que tu étais nul au début, etc. C'est, ouais, vrai que le violon, c'est un des instruments. C'est dur, hein. Pour les voisins, surtout. C'est très dur. Parce que quand tu commences, ça doit sonner, ouais, vraiment... Mais tu sais quoi, je vais t'avouer un truc. Franchement... Même quand tu... Enfin, genre, le travail du violon, parce que là, tu joues, enfin, je joue, tu vois. Mais si tu travailles, c'est pas si agréable à entendre. Hein. Je vais pas te mentir. Tu répètes 50 fois la même mesure. Ouais. Au bout d'un moment, même si c'est pas trop mal joué, ça fait... voilà. Et puis, t'as plein d'exercices. Au violon, le truc avec le violon, c'est que t'as des exercices qui sont... En fait, c'est comme ça. Enfin, genre, c'est normal que ça sonne mal. Mais des fois, tu vois, où genre, faut appuyer, mais où tu fais des exercices de son, ou voilà, où t'appuies trop, justement, on purpose, quoi. Et t'as plein d'exercices comme ça. Donc, c'est vrai que... Bon, mes voisins ne sont en tout cas pas pleins du violon. Donc, bon, mais les fêtes que tu fais jusqu'à 3h du matin, oui.
question que j'ai oubliée. Non, j'allais dire, le premier truc que tu as joué tout à l'heure, ouais. Je te voyais dans ton visage, tu es hyper concentré. Et est-ce que tu arrives à chanter en même temps que le violon ou ça me demande une concentration? C'est très difficile de jouer. Ouais, non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que moi, j'invite toujours les guitaristes et les pianistes qui peuvent leur chanter et tout. Ouais. Mais en fait, c'est super dur, violon. Bah, surtout, tu as ton parce menton fait, qui. Il y a le menton qui est là. Bon, après, je pourrais. Mais ouais, mais c'est quand même super dur. Attends, ouais. Non, je vais pas chanter. J'allais m'apprêter à chanter. Je me suis dit, non, mais on va pas le faire. Attends, chanter un truc. Ouais, je sais pas. Moi, parce que et c'est souvent le cas. Enfin, t'es hyper concentré. Il y a des visages que les violonistes font. Que... Ouais. Bah, après, j'espère que c'est pas. Oui, des fois, je me regarde en vidéo. Je dis, oula. C'était pendu là. Mais ouais, c'est. Enfin, après, c'est ouais, la concentration et puis le fait d'être. Dans la musique, quoi. Mais c'est vrai, comme c'est vraiment... c'est le haut du corps, quoi, du coup. Bon, après, tu vas me dire, tous les musiciens classiques, hein, c'est un truc oui, ouais. Qu'on fait tous. J'avais, j'avais écouté une fois un flûtiste. Je sais pas comment t'appelles ça, le flûte. La flûte traversière. Flûte Traversière. 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 Ah oui. Oui, c'est juste flûte. Comment on dit en anglais, d'ailleurs? The flûte. On dit juste flûte, hein. Ouais. Parce qu'il y a une autre version d'une flûte en France La flûte traversière et la flûte à bec. Oui, d'accord, ok. Mais la flûte à bec, c'est... c'est comme ça. C'est un truc... le flûte à bec, c'est à l'école? Non. Enfin, oui. Oui, c'est ce qu'on a. Mais je veux dire, c'est le premier truc que nous, on appelle the recorder. Le pipeau. In English, the recorder. Ouais, c'est ça, on dit pipeau, non? Aussi. Pipeau? Le pipeau? Non? Je sais pas. Je crois. Anyway, ce que j'allais dire, c'est que j'ai vu un mec flûte traversière. Traversière. Qui faisait du beatbox en même temps. Ah oui. Ça, c'était incroyable. Ah oui, bah, parce que du coup, comme ça sort du... Voilà, du... Ouais, c'est pas faux. Mais c'est très cool, ouais. Très original aussi. Alexander Ephraim, is the piano a string instrument or a keyboard instrument and does this question even matter? c'est un keyboard, hein, du coup. Ouais. Enfin, ça a des cordes, mais c'est un keyboard. Oui, parce qu'en vrai, quand tu tapes sur un piano, il y a des trucs, il y a une corde derrière qui tape un marteau. Ouais, exactement. Ça, c'était ma définition très scientifique de comment fonctionne un piano. Il y a un marteau qui tape et un truc. Oh, God. Ah, oui, flûte avec. Oh, this is a good question. Harsha, have you ever tried playing fiddle music, Americana, bluegrass, or Irish music? Because it's... Yeah. What is the difference between a fiddle and a violin, by the way? Okay. I mean, mostly the way you play it. And the way you hold it. So, like, fiddle... fiddle is, like, a nickname for violin anyway. Oh, so it's the same physical instrument. It's the same thing, fiddle. Yeah, it's like Fiddle on the Roof. You know, like, the musical? Yeah. Yeah. Just French, like, I'm uncultured as anything, le so violon sur le toit. Okay. Le violon sur le toit. Mais okay. C'est un musical vraiment, vraiment génial. Fiddle on the Roof. Fiddle on the Roof. Et du coup, fiddle, c'est... Oui, c'est un violon. Et en français, ça s'appelle un fiddle. Mais non, mais on ne dit pas. Ah, c'est un violon. C'est un violon. On a ah, pas vous ne dites pas fiddle? Il n'y a pas un... Non, je crois pas. Ben non, on ne dit pas. C'est triste, ça. Ouais, parce que fiddle, c'est un bon nom. Donc, c'est juste une façon de une jouer façon différemment. Et en fait, généralement, fiddle player, ça veut dire... Enfin, en tout cas, au niveau, par exemple, irlandais, tout ça, ce que j'avais vu, c'est qu'ils le tiennent de manière beaucoup plus chill, quoi. Généralement... Enfin, même des fois, il y en a, ils le tiennent... Tu sais, genre... Moi, j'arrive pas à jouer, hein. Comme une guitare, littéralement. Comme ça, tu vois, genre, ils le tiennent presque pas là. Et voilà, mais... Darren Blythe, setup is a little different for a fiddle. Voilà. Flatter bridge. Ah, what's the bridge? C'est ça, là? Le bridge, c'est ça. OK, donc un peu plus bas? Flat, oui, oui. Enfin, des fois, il est effectivement placé moins haut. Parce qu'en fait, en fiddle music, quoi, des fois, tu as souvent des doubles cordes et tout, et tu joues avec plusieurs cordes. Et du coup, tout, des fois, est un petit peu plus plat. Mais, et ça, c'est un truc de préférence que tu peux ajuster, c'est... Ça, tu peux ajuster. Bah, en fait, tu peux un peu tout ajuster, quoi, mais... Et toi, tu, en fait, au fur et à mesure des années de jouer, tu trouves, je préfère ça comme setup, je préfère ça, après, et puis tu crées ton propre truc. Après, il y a un setup classique, par exemple. Par contre, je sais pas si c'est comme ça en guitare, les cordes, ça change quelque chose? Si t'as des cordes différentes de différentes marques sur la guitare, ça change quelque chose? Oui, ça change le son. Dans le sens où le mien, là, en fait, les 6, c'est des cordes en métal, steel. Okay, ouais. Mais du coup, avec la guitare classique, je crois que t'en as 3 qui sont steel et 3 qui sont nylon. Ah oui. Et donc, ça fait un son un peu flamenco, d'accord. Tu vois, le son un peu flamenco, où ça fait un bruit un peu différent. Donc, ouais, d'accord, donc ça change, ouais, c'est ça. Et moi, je les ai pas changés depuis, je crois, 10 ans. Donc, ça sonne pas ouf, la guitare. Mick Van Hemmel,
T'as voulu jouer autre chose que du violon? C'était coup de cœur pour le violon à 9 ans et... Ah, c'est vrai que ça a été un coup de cœur. Après, j'adore entreprendre des choses, mais c'est vrai que, par exemple, j'adore la clarinette, parce que j'adore la musique klezmer. Et j'adore, ouais, j'adore la clarinette, mais je m'y suis pas, voilà, je m'y suis pas mis. Je me dis que je pense que ça va être aussi dur au début. Du coup, j'apprécie les clarinettistes, mais je, voilà, je garde ça. Je joue un peu de piano j'avais démarré un tout petit peu la guitare avant de partir en Angleterre. D'ailleurs, j'avais voulu essayer un petit peu la guitare. Nice. Et, voilà. Well, maybe we'll hear Esther play the guitar in part two of the show. This is a good question because I was going to ask a similar question. Does her menton ever? Est-ce que j'avais mal au menton? Au moins plus généralement, j'allais dire est-ce que en anglais on dit repetitive stress syndrome, genre je sais pas comment ça s'appelle ça en français, mais le stress de faire le même mouvement tous les fois. Est-ce que comme c'est une position très spécifique par rapport à, au piano ou de la guitare ou d'autres instruments, est-ce que tu peux avoir des courbatures spécifiques? On peut se faire, faut faire attention, on peut se faire mal des fois justement à l'épaule. Après c'est voilà juste apprendre à bien le tenir sans crisper en fait au niveau de l'épaule, au niveau de la main. Après c'est vrai que c'est pas une position des plus naturelles, hein. C'est vrai que quand j'apprends, j'ai des fois des élèves, des petits élèves, et puis tu essayes de leur dire bon, tu mets le violon, tu l'archer, encore pire, allez, vas-y, vas-y, tu vas apprendre l'archer, il faut que le doigt soit comme ci, soit comme ça, c'est super dur au début. Et c'est vrai que ils sont tous comme ça. Parce qu'il y a genre un truc, genre, tu le mets comme un oreiller. Imagine que tu es en train de dormir sur un oreiller c'est bois. Non, puis en plus, voilà, c'est pas naturel. Ah ouais, c'est vrai que tu as une marque. Alors sur... voilà, par contre, je sais pas, ouais, c'est vrai qu'on. C'est pas je sais pas si on le voit, ouais, caméra, ouais. Mais voilà, tu as la marque, j'ai la marque aussi. Attends, c'est super bien. Ouais, un petit peu, ouais. Voilà. Mais bon, on s'y habitue. Après, voilà, je suis... Ouais, ça fait partie du boulot. T'as une marque là, une marque marquée, là. Ouais. Puis après, les gens qui savent pas que t'es violoniste, ils se disent... Tu sais, en anglais, on dit « hickey ». Oui, ouais, quand, exactement. Comment t'appelles ça en français, un « hickey » ? Un suçon. Un suçon ? Ouais. Oh, putain, ouais, OK. Donc on va dire « Oh, t'as un suçon !» Mais en fait, c'est... Non, c'est juste je joue au violon. Oui. All right. Esther. Ouais. Should we do some English expressions? Yeah. I feel like you're going to get all of them though. This is cheating. What's that? You say something and I have to translate it. Here's what happens. Le public il choisit les expressions, leurs expressions préférées en anglais. D'accord. Ou en français, dépendant de la langue du guest. Mais comme ta langue maternelle, c'est le français, okay. On va faire ça en anglais. Okay. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, il va choisir, c'est le temps. It's time, right? There's a jingle and everything. Express yourself. Envoyez vos expressions préférées anglaises et on va voir si Esther elle est au courant. Surtout, on a dit au début, on va tester les expressions mancuniennes. Je sais pas comment on dit ça en français. De Manchester. Manchesterienne. Les expressions de Manchester, du nord de l'Angleterre en tout cas. On va voir si Esther les comprend. Ladies and gentlemen, it is time for Express Yourself. Oh, you've got something interesting to say, do you? Well, go on, say it. Say it in English, dis-le en français, and we'll see if it's interesting. All right. Let's start with the first one that I've seen on the screen, which I like, I enjoy always. From KWN34, it is the dog's bollocks. And I'm supposed to know what... So I need to know what it means. Yeah, you tell us what it means. Do you know what? En français. En français, mais j'ai jamais entendu cette expression dans la vie. Tu t'as jamais entendu... Non, enfin, bollocks, mais oui, je sais, c'est voilà. Donc, bollocks, c'est quoi? C'est des mensonges, quoi. Enfin, c'est de la merde, quoi. Ouais, ça peut être ça. C'est n'importe quoi, quoi. Mais... Et littéralement bollocks, tu sais c'est quoi? Oui, c'est des oui les boules quoi. Les boules, les voilà. Couilles. Ouais. Du coup les couilles du chien. Les couilles du chien. Mais j'y mets. Est-ce que c'est un rapport du coup quand tu dis ça genre c'est de la merde ce que tu dis? Tu dirais ça? C'est dog ou non? Non, c'est complètement l'inverse. Ah mince. Ah genre ça veut dire c'est. Je suis perdue là. Imagine, les gens ils sont en train de regarder Esther en train de jouer et derrière leur écran ils font wow that's the dog's bollocks. C'est genre, c'est le... That's the real thing, genre... It's amazing. It's incredible. C'est incroyable. Ah ouais, c'est les couilles du chien. Alors, si t'as un truc qui dit... en fait, si tu dis bollocks, c'est mauvais. Ouais. Mais si c'est the bollocks, c'est bon. C'est bon. Tu vois? OK. Ah ouais, bah tu vois, And the dog's bollocks, c'est l'ultime... C'est le je sais pas pourquoi les couilles des chiens en Angleterre valent quelque chose. C'est très bon, je sais pas pourquoi. Mais ça veut dire ça. Je sais pas si on a un équivalent en français. Pas forcément des couilles du chien, mais c'est genre la c'est incroyable, j'ai pas de... Ok, d'accord, bah écoute... Voilà, donc si quelqu'un te dit « Oh, you are the dog's bollocks », je m'offusque pas.
tu dis thank you very much. Parce qu'il pense que ouais, c'est ça. Ta very much, exactly. Right, let's do another one. All right, Lauren Lanham. I don't even know this one. That's absolutely angin. Je connais banging, but yeah, but it's banging is a very northern thing. It's absolutely banging. Hanging. Je présume qu'elle a mis un apostrophe parce que c'est il manque un H. Oui. It's absolutely hanging. Lauren, I don't know. But hanging, voilà, ça veut dire parce qu'on a attendre, hanging out. Yeah, avec that's absolutely. À mon avis, ça veut dire que c'est incroyable. Super, hein? À mon avis, c'est un synonyme de les couilles du chien. Ouais. It's hanging, peut-être. Ouais. J'attends que Lauren nous réécrive dans les commentaires pour être sûr. Et j'avais vu un truc. Hanging. Ah non, tu vois, on avait faux. En fait, ça veut toujours dire le contraire. Hanging, disgusting. Hanging. Parce que je connais minging. 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 It's the best one. Hanging. So that must be a northern thing. Fucking, do you know what I mean? Fucking hanging, man. T'avais vu un autre? Non, mais c'était en français. Et du coup, je me disais, est-ce qu'en anglais, c'était pisser dans un violon? Ah, ça c'est très bien, pisser dans un violon, mais on n'a pas ça en anglais. Mais comment on n'a pas, hein. Pisser dans un violon en français, ça veut dire... Ça veut dire tu peux... c'est comme... Enfin, tu craches en l'air, quoi. C'est comme... Tu vois ce que alors, je veux dire? Alors, tu viens de définir une expression avec une autre expression. ça veut dire... tu fais quelque chose mais ça sert à rien en fait. Okay. Je te dis un truc mais tu m'écoutes pas, donc je peux dire ouais, c'est comme si je pissais dans un violon, quoi. Okay. C'est comme si je crachais en l'air. Voilà, ouais, nous on dirait en anglais pissing in the wind. Ah ouais. Ah, il y a comme le lien à la C'est la même si on pisse mais dans le vent, parce que quand tu pisses dans le vent, bah ça revient sur toi en fait. Donc d'accord, c'est un mais peu... moi j'ai jamais compris pisser dans un violon. Parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous, il y a pas beaucoup des... T'as juste deux mini-trous là-dedans, il faut bien viser, c'est au moins dans le vent, c'est facile, tu pisses dans le vent et puis c'est visuel, mais pisser dans un violon, c'est inutile, ça veut dire ça, c'est inutile, c'est ça J'imagine, mais c'est vrai que c'est... Pourquoi le violon, quoi? Les Français, pourquoi on pisse dans un... Why do we piss in a violin? C'est une idée, oui, voilà, donc c'est bien, c'est... all right, let's do another one. Jordan, every cloud has a silver lining. Ah ouais, donc ton anglais il est pas si bon. En fait, je réalise que les expressions j'en ai raté. Hein. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Every cloud has its... En français, traduit littéralement. Chaque nuage a sa ligne argentée. Ouais, son côté argenté. Est-ce que ça veut dire. Qu'il a chaque nuage qui a un autre côté, il y a peut-être le revers de la médaille. Ouais, c'est un peu ça. C'est juste donc c'est l'autre côté de la médaille, mais d'un côté positif, parce que du coup les nuages c'est négatif. Ouais. Mais de l'autre côté du nuage, il y a un côté pas doré, argenté, positif. Donc ça veut dire, quand tu dis « Ah là, je sais pas, ma vie, c'est de la merde, j'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma femme, tout ça. » Et 3 mois plus tard, tu gagnes au loto. D'accord. L'expression, tu dirais oh, « Tous les nuages ont un... »« Every cloud has a silver lining. » Et ça se raccourcit. D'accord. Des fois, on dit juste « Every cloud. » Ah, ok. Et comme on connaît tous la suite, ça veut dire... Après la pluie, le beau temps. Et oui, ouais. La quoi? Après la pluie, le beau temps. Il y a quand même il y a ça. Ah, donc, c'est l'équivalent. Donc, Jordan. Ah, bah, c'est. Ok. En français, c'est l'équivalent. Après la pluie, le beau temps. Ok. Super. Bah, voilà. Mais ouais, en fait. Mais tu sais, en fait, je réalise que des fois, quand t'as toute la phrase, tu comprends évidemment. Ouais. Mais quand tu te mets juste sur l'expression, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Alors, il y en a qui sont très appropriés. Fit as a fiddle. To be fit as a fiddle. Ça, tu dois l'appeler. Oui, je le connais. Ouais, bah c'est... voilà, encore une fois, t'es super en forme, quoi. Ouais, c'est ça. Fit as a fiddle. Mais encore une fois, pourquoi... Je sais pas pourquoi... The fit as a fiddle. Pourquoi tu seras en forme comme parce un violon. Parce que le violon, c'est difficile. Je sais pas. Peut-être, mais là, peut-être qu'elle... Je sais pas. J'ai aucune idée. Ouais, mais c'est très bien. 100%. Ouais, ouais. Right. Frederick D, to hit the right note. To hit the right note, oui, pas mal. Franchement, avec les easy ones, avec les expressions musicales. Ouais, ouais. To hit the right note, de faire bien, quoi. You got it. Enfin, je. C'est ça. Comment on dit en français? To hit the right note. taper juste. Non, viser juste. Viser juste. Non. Attends, comment on dit? Gros bug.
Je sais pas. Mais oui, c'est ça. Ça veut dire... Ouais, ouais, je l'ai un peu aussi. Hein. Right. Here's one that I've never heard before, but I have a similar equivalent. Luana, you can't get blood from a turnip. Alors en français, c'est... Alors moi, je connais une qui est presque pareille, mais différente. C'était you can't get blood from a stone. Ok, donc je pense que je comprends. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas avoir un côté humain de quelqu'un qui est... Non, qui est froid? Non, ouais, vraiment. Peut-être. Ça peut être ça. I think you can't get blood from a stone or from a turnip, apparently. C'est quoi un turnip en français? Un navet? Un navet. Que... Tu peux pas faire d'un... Tu peux pas faire un cheval de course d'un adbaté? Ce serait ça? Alors, peut-être, mais ça, je l'ai jamais entendu. C'est vraiment c'est comme un dialogue de sourds. Toi, tu connais pas l'expression en anglaise et tu me la répètes dans une autre façon française et moi, je connais rien. Attends, j'ai dit traverse. On peut pas faire d'un âne batté un cheval de course. Ça veut dire que... Je crois que c'est un peu ça. Okay. Je crois que ça doit être un peu ça, ouais. You can't polish a turd. You can't polish a turd. C'est la même... Ouais, ça, c'est la version... you can't polish a turd. Tu peux pas polir une merde. Parce que à la fin... Mais ouais, tu peux pas tirer du sang d'un caillou, aigle de la route. Et c'est parfaitement traduit. Ouais. Mais je crois pas que ça existe en français. Mais ça du coup, devrait. Turnip, tu peux pas... Ouais, pourquoi pas. Goosebump dit... c'est ce qu'elle a entendu aux US. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de cailloux là-bas, visiblement. Ils n'ont que des ils ont que des navets. en parlant des chevaux, to hear something straight from the horse's mouth. Ça veut dire que tu entends... ça veut dire que... J'ai l'impression d'être en interro, là. Tu peux pas rentrer à Manchester ouais, si tu réponds pas. Que ça veut dire que tu entends quelqu'un de la quelque chose de la personne... Qui vraiment. Tu lis la phrase. Que tu entends vraiment la chose que tu viens d'entendre de la personne qui est concernée. Ouais, c'est ça. Voilà. En gros, c'est je sais pas pourquoi, c'est genre tu l'entends directement de la bouche du cheval. Ouais. Ça veut dire. On m'a dit que. J'essaie de trouver un exemple qui fonctionne. Oh, j'ai entendu que. Oh, it doesn't matter. Mais oui, c'est ça. J'ai même pas besoin de répéter. Je sais pas pourquoi j'ai réexplique le truc que tu viens d'expliquer. Oui, tu l'as écouté, tu l'as entendu de la source directe. D'accord. En gros, l'entendre de la source directe. Ok, d'accord. J'ai entendu que Paul. J'ai entendu que Paul, il vient pas à sa date de tournée. Comment ça? I heard it straight from the horse's mouth. Ça veut dire qu'ils l'ont entendu de moi directement plutôt que via une source qui n'est pas un cheval. D'accord. Je sais pas. Attends, j'ai vu un truc. Attends, ouais, remonte. Pardon. Attends. Ah oui, du coup, il y a quelqu'un qui a fini mon expression. Enfin, mon expression. On ne peut pas faire un cheval avec un âne même en coupant les oreilles en pointe. Ça, je ne connaissais pas cette fin-là. Alors, on ne peut pas faire un cheval avec un âne même si on lui coupe les oreilles en pointe. Parce que les ânes, ils ont quand même les oreilles pas forcément en pointe. Donc si on les coupe en pointe, voilà. Ça ressemble à un cheval, mais on peut pas faire un cheval. Si avec, on... okay. D'accord, voilà. Voilà. Et ça, c'est une expression. Et il y a quelqu'un qui a dit. Ça, on se demandait pour pisser dans un violon. Selon Internet, avant, on disait souffler dans un violon. Puis ça a été remplacé par siffler puis pisser. Alors, je sais pas. Siffler. Ah, souffler, c'est juste. Siffler, c'est. Ouais. Et pisser. Mais le lien entre les trois, c'est quoi? Bah, c'est qu'au Moyen-Âge, les mecs ils mettaient leur tub dans des violons. Voilà, je sais pas, c'est parce qu'ils aiment bien faire ça partout. Alright, let's do one more. Let's finish on a musical one. Tom Walden. It is time to face the music. Genre, c'est. Tu fais face à la vérité? Non. C'est ça? 100% correct. c'est ça, c'est. It's time to face the music. C'est genre, ouais, maintenant c'est. It's game time. It's game time. It's game time. Okay. You did well. I feel like it's quite embarrassing, actually. No, you did well. Because the worst, the most difficult part of a language is the expressions. Yeah, that's true. And you did really well. But I don't know. But you're not allowed to go back to Manchester. What were you going to say? No, it's just that I found that, I don't know if you get that somebody would be like, oh, what's that in French? Mm-hmm. For example, they say an English word, and then I often can't say what it is. And I know what it is, but when somebody asks me,
then I don't know. Yeah, I get. Do you get that? I get a bug in both languages at the same time when they're like, "Oh, what's that word?" I'm like, "I've got no idea," and then I anglicize the French word. Yeah. I'm like, "Oh, I guess it was." I have a joke in my stand-up show where I'm like, "Oh, I wanted to call my show Redevenir British." Parce que ça fait tellement longtemps que je suis en France que j'ai envie de redevenir British. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, si je fais le spectacle dans les deux langues, en français, je vais l'appeler Redevenir British. Ouais. Et en Angleterre, et en anglais, je vais l'appeler Rebecoming British. But Rebecoming, it doesn't exist. Typiquement, c'est un truc... Comment on dit redevenir en anglais, Paul? Rebecoming. You become and then you rebecome. C'est normal, tu deviens et tu redeviens. Et donc, du coup, non, c'est pas du tout ça. C'est become again, qui est nul. All right, ladies and gentlemen, it has been an hour and 15 minutes that we've been going for part one of the show. Tous les lives que j'ai fait jusqu'à maintenant, ils ont deux parties. La première partie, elle est gratuite sur YouTube, ce que vous venez de voir. La deuxième partie, c'est exclusivement pour les personnes qui me suivent et qui soutiennent la chaîne sur patreon.com/paultaylor, patreon.com/paultaylor. Tu connais Patreon un peu ou pas? Ouais, j'ai Patreon aussi. Ah, t'as Patreon? Ouais, t'as une page Patreon? Ouais. Oh shit, Esther Abraham is on Patreon. Et puis, il faut aller suivre Esther sur Patreon aussi. Si vous êtes intéressé par des petits cours de violon. De ouf. Et donc, et toi, tu utilises Patreon pourquoi? Pour, alors, j'ai pas mal de trucs, mais il y a une membership qui est pour les cours de violon ou cours de musique en général. Trop stylé. Et voilà, j'ai commencé ça pendant le confinement. Eh ben moi aussi, j'ai commencé ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Parce qu'on n'avait plus la scène, on n'avait plus notre boulot. Donc Patreon, en gros, c'est un site web, c'est une plateforme où en gros, tu peux payer pour du contenu exclusif, que ça soit avec la musique et des cours de violon, ou dans mon cas, c'est beaucoup moins stylé. C'est juste la deuxième partie de tous les lives que je fais. Donc il y a une heure et quart sur YouTube. Et la deuxième heure, elle est sur Patreon. Du coup, c'est beaucoup plus intime parce qu'il y a 10 fois moins de personnes dessus. Là, on était 300-400 pendant le live. Là, c'est 30-40 normalement. Et donc, du coup, vous posez des questions plus intimes. On fait des trucs parce que c'est pas public, c'est privé. Donc, du coup, on va sortir la guitare. On essaie de faire un duo guitare-violon. Ça va être nul, mais ça va être drôle. Voilà. Donc, patreon.com/paultaylor pour la deuxième partie. Et si vous partez maintenant, tout de suite, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Esther, où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi ton réseau social préféré? Ton réseau social? Bon, on va dire Insta. Instagram. Mais bon, sinon YouTube, vous y êtes déjà. Donc... oui, c'est ça. Instagram, Esther Abrami, go find her. TikTok as well, if you're young. Tout a le même nom, donc c'est simple. Et t'as le même nom partout. Ouais. All right, Esther Abrami, on all social media. Go follow, go like her stuff. Est-ce que... t'as un album aussi à un moment donné qui va sortir, ouais. Et puis j'ai déjà des singles qui sont, j'ai mes deux premiers singles qui sont sur toutes les plateformes de streaming. Trop donc bien. Si vous voulez voilà, aller écouter. Puis Apple Music, Spotify, Deezer, tout ça. Et l'album va sortir bientôt. Et il y a des clips aussi qui vont peut-être venir. Ouais, qui arrivent. Donc ça, tout arrive. Nice. Et l'album en début d'année. Donc. C'est le début de l'aventure. Love it. All right, ladies and gentlemen, that is it for part one. On se voit dans quelques minutes, le temps de faire pipi et tout ça, dans la deuxième partie sur Patreon. Fais une phrase d'outro et puis je vais faire le jingle. Il faut que je... Le jingle est là. Vas-y, fais une phrase d'outro, genre... Ouais, machin, je sais pas. D'intro? D'outro, genre de au revoir. De, au revoir. Thank you so much. Thank you. Il y a du bruit, là. Ouais, y a, en fait, je sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a un gros volet en métal qui descend dans la cour. Ça fait le... No, thank you. Attends. Voilà. Thank you so much, guys, for watching, for interacting. Merci à tous. C'était super. Et merci pour toutes les suggestions de violon et d'expression et tout. C'était cool. Voilà, à bientôt. Ladies and gentlemen, a bisou, bye. Thanks for watching Paul Taylor's Happy Hour Live. See you dickhead soon for another episode.